Et c'est parti pour l'épisode 44. Hop. On va peut-être lancer une petite régène après au cas où. Allez, est-ce que je régène assez d'énergie pour me remettre à terre? Non, je peux me mettre en contre-attaque. Une petite potion. Bon, ça n'est pas trop mal tiré. C'est un bon chemin pour fuir ça. On va espérer que Morse soit encore à peu près en bon état. Jamais je n'oublierai ces murs suintants. Tiens bon, rien n'est encore joué. Alors, maître danseur d'eau. Votre entraînement de danseur d'eau vous a rendu plus agile, plus sain, oui, pourquoi pas. Vos esquives sont plus efficaces lorsque vous êtes en garde. Ah, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a tout en bas? Maître. Danseur d'eau base sa stratégie sur la souplesse et l'anticipation. Il peut ainsi trouver des failles dans la défense. Pourquoi pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut débloquer? Brimade. Donc les adversaires se ruent sur vous. Pourquoi pas. Alors, on était parti par là. Feu explosif. Vous créez une explosion sur un adversaire qui possède l'état enflammé. Compétences, on va peut-être monter un peu les points de vie. Voilà. Hop. Du coup. Bonjour. On commence à en avoir pas mal des compétences. On va se mettre une petite régène. Alistair encaisse vraiment pas. On voit pas grand chose là surtout. Allez bouge. Voilà, là il pourra pas m'avoir. Ah si. Balèze, l'archer. Bien. Tu t'exposes trop, Gawain. N'oublie pas que tu es blessé. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que... Par les sept, ils vont le tuer. Ne bouge pas d'ici. Je me charge de ça. Sauve-le, Alistair. Je lui dois la vie. Bah, on va y aller, on va y aller. Trip, tu as entendu les ordres, achève-le. Tu nous auras donné du fil à retordre, Korbach. Fais tes prières. Qui ose? Morse. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, ils se connaissent. Toujours à te retrouver dans les pires situations, dis-moi.
Et toi, tu mets toujours autant de temps à venir. J'ai des circonstances atténuantes, crois-moi. Mais pour l'heure, il faut qu'on se tire d'ici au plus vite. Gawen m'a dit que tu l'avais aidé à s'enfuir. Je te remercie. Gawen, ton frère... J'aurais jamais pu le reconnaître. Quand je l'ai libéré, j'ai bien cru qu'il me laisserait pourrir ici. T'as la gueule encore plus ravagée que dans mes souvenirs. T'as dû vraiment les énerver. Tu me connais. C'est me faire des amis. Allez, sortons d'ici avant Carlton ne vienne nous faire la causette. D'accord. Mais j'ai deux mots à dire à cet enfoiré de bourreau avant. Morse, nous n'avons pas de temps à perdre. Non ! Non ! Ne fais pas ça ! Heureusement pour tes amis, ils sont déjà morts. Toi, par contre, tes parents foutent tes peines. C'est bon ? T'es satisfait ? Cette raclure a eu de la chance. Il est mort avant que j'aie eu le temps de vraiment m'amuser. Alors c'est toi, Gawen. Je ne m'attendais plus à ce que tu reviennes. Je suis désolé. Je ne pouvais rien faire dans l'état dans lequel j'étais. J'avais besoin de temps pour réfléchir à un plan. J'ai préféré me mettre à l'abri. Une fois là-haut, je suis tombé sur mon frère. Et c'est grâce à lui que je suis revenu. Deux Sarwick pour le prix d'un. C'est trop d'honneur, vraiment. Ce qui me chagrine un peu, en revanche, c'est la raison de votre présence ici. Ah, je peux choisir qui répond. Cela fait des semaines que Harlton me manipule. Il m'a fait croire que Gawen avait été assassiné par la couronne afin de me ramener dans son camp. Il s'est servi de ma rancœur pour m'attirer. Alors qu'en vérité, mon frère pourrissait juste ici, pendant que je séjournais chez lui en tant qu'hôte de marque. Et moi, comme un imbécile, je l'ai aidé dans sa conspiration contre la couronne. Cela ne te ressemble pas d'avoir été si naïf. Peu importe. Harlton paiera pour tout ça. Ah. On a un morse à poil. Pas changer l'équipement en combat. Bon. Régène et contre-attaque. Morse. Tu peux faire quelque chose toi en étant sans armes? Ou tu peux mettre un coup de tête. Arme à deux mains, arme à deux mains, arme à deux mains. Des coups de tête. Toi, tu vas essayer de tuer lui. Ok. Il fait super mal lui là-bas. Au moins éliminer l'autre. Parfait. Ça gêne un peu. Ça gêne. Mets-le à terre. Bon, on est pas mal là. Ça gêne.
sale chien. La mort serait encore trop douce pour toi. Laisse-moi, Morse. Je croyais que nous n'avions plus le temps, Alistair. Laisse-moi. Tu as pris ton temps avec ton bourreau, non? C'est mon tour. Comme tu voudras. Non, je peux vous aider. Épargnez-moi. Tes paroles sont vaines. Tu vas souffrir le martyre avant de mourir. Et tout ce que tu pourrais dire n'y changera rien. Ça ne suffit pas. Ma vengeance ne fait que commencer. Alistair, il faut absolument que je récupère mon chien. Comme tu voudras. Du moment que je peux en tuer d'autres. C'est devenu un gros psychopathe. Mon Morse va peut-être te rhabiller. Alors, grande épée, on n'avait que ça. Allez, remets une petite armure. Qu'est-ce qu'on avait comme casque? Ça. C'est un style particulier. 138, 132. Ça. Cap du recruteur. Et elle est où l'armure là? Voilà. On part les gants. C'est des nouveaux gants, a priori c'est Alistair qui devait les avoir. Du coup t'as perdu quoi comme bijou? Dégâts. Et on a enfin réuni les deux inventaires. Ça c'est cool. Du coup on doit pas être mal. Si, mince. C'est ça que je voulais regarder. Ah, là on a plusieurs quêtes dans ce chapitre. Je vais regarder l'arme qu'on a eue. C'est ça. Tourne Kazak. 45. Et moi j'ai 48. Tant pis. Non, on va sauvegarder. Pour fêter leur retrouvaille. On est où? Là, c'est où on a massacré le... Là. Là, la porte est ouverte, là. Ok, clé. Je sais pas bien où on est, là. Carte. À part là, on a dû déjà y passer avec le chien, je crois. Allez, on peut les massacrer. Toi, tu vas aller sur lui, tu vas mettre à terre et faire Manticore, tandis que toi. Tu vas sur lui, tu vas renverser. Allez, récupère ton énergie. Ok, change de cible, ravage. Ça marche bien à deux. Doucement, vieux camarade. Ça va aller. Je ne comprends pas bien pourquoi tu te donnes autant de mal pour ce chien. Lui et moi, ça fait un petit moment qu'on traîne ensemble. Tu vas voir qu'il nous sera bien utile. C'est grâce à lui que j'ai aidé Gawain à s'enfuir. Ah, je pourrais les monter l'un contre l'autre. J'espère qu'il nous sera vraiment utile. Parce qu'Arlton attend encore son châtiment. Encore un instant. On dirait qu'un de ces gardes porte l'odeur de Jane. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une jeune femme retenue par Arlton. Ce fou veut renverser le pouvoir grâce à elle. Et que comptes-tu faire à son propos? Tu vas devoir te fier à moi, Alistair. Nous n'avons pas le temps pour les explications. Il nous faut remonter cette piste au plus vite pour la retrouver. Bon. Hop. Vraiment mal en point. Allez. Cet
déjà en train de la pister par là. Et maintenant ? Là. Ici. Voilà. Ah, des gardes. Hop. Allez, on change. Toi, tu pars sur celui-là. Parfait. Ça, il faut que l'adversaire saigne. Hop, on va changer lui, le chien. Ah non, plutôt à terre. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? Récupérer l'énergie, toi. Ça. Ah mince. Mais ça va pas le faire là. Potion. Mince. Raté. Jamais. Lui, est-ce que tu peux le mettre à terre? Récupère un peu l'énergie. Allez, fais un ravage. Parfait, t'en as tué un. Lui, mets-le à terre. Pas toujours ça de moins. Lui. Non. Ah, ça y est, tu peux régénérer. Le chien, toujours pas. Mets-le à terre. Comment ? Ces hommes s'entraînaient avec Ethan dans la cour tout à l'heure. Et alors ? Je pouvais tous les mettre hors de combat sous couvert de l'entraînement, et j'en ai raté l'occasion. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû aller les voir. Si on avait su... Comme Marianne, si on avait su, on l'aurait tué. J'ai pas raté quelque chose un peu plus bas ? Là. Intéressant. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait le chien. Allez. Un gros chevalier en moins, c'est toujours ça de prix. Mort, ça atteint le niveau 8, intéressant. Il y en a d'autres ici. Alors, Morse, niveau 8, rien. On va peut-être garder tes points du coup pour améliorer ici. Effectuer un coup violent. Ouais. Vous êtes sans pitié et infligez plus de dégâts aux ennemis à terre.
On va garder Anzoman. Alors, récupération d'énergie. Pourquoi pas. Remet à zéro le temps de recharge des ordres. Plus de santé, plus de déviation. Plus de vitesse d'égorgement. Et après, plus 30% de dégâts. C'est pas mal. Hop. Ah, on peut pas aller au-dessus de 100. Ah, du coup... On va peut-être améliorer les armes contendantes. On va en trouver une. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu? Santé... ouais... Baratineur... Vous avez lancé vos bourreaux sur la mauvaise piste. Intelligence plus 1. Vous avez combattu tous les hommes de Lord Alton sous l'effet du poison après le dîner de Castelbois. Increvable, ça on l'avait déjà vu. Ça aussi... Ok. Hop, il y a des hommes juste là. Alors, toi tu te fais celui-là. Tu le mets à terre, tu lui fais un tourment. Alester, tu te fais celui-là. Calme et dard. Ok. Bon, et bien c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 44, et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 45.